Les animaux ne sont ni gentils, ni agressifs, juste dans leur élan vital. D'une gestualité presque sauvage, archaïque, houleux, modèle des animaux d'avant la domestication. Elle en exprime toute leur quintessence. Notre mémoire cellulaire est réveillée, ainsi que notre imaginaire, où se mélangent souvenirs, sentiments, projections intenses sur les animaux. C'est ma première fois, je suis ici à la Borne, et moi je suis ravie parce que j'ai trouvé une place un peu magique. Parce que c'est une région très calme, j'y vais avec ma voiture dans un paysage incroyable et tout de suite on est dans un centre très culturel avec beaucoup d'artistes et des collègues et un échange intensif et c'est très beau place pour exposer, c'est incroyable, je suis très très contente. L'image que j'ai de la Borne, c'est surtout le feu de bois et voilà. Donc c'est quelque chose qui est très attirant, mais malheureusement, moi, je n'ai pas accès à ça. Donc je trouve que c'est une production assez différente parce qu'on voit bien, moi je vois bien que c'est des cuissons électriques et qu'il y a beaucoup d'artifices finalement parce qu'il y a des couleurs qui ne sont pas des couleurs naturelles. Des petits personnages, des petites choses un peu hybrides. Donc un hybride, c'est par définition, c'est un sang mêlé, c'est quelque chose d'un peu bâtard, c'est... Voilà, on ne sait pas trop où il commence, où il finit, et quelles sont ses intentions. Et là, pour le coup, oui, en effet, ils se phagocytent les uns les autres, ils poussent les uns dans les autres, c'est un peu alien.